Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo magie. On va se faire du bien tous ensemble et je vous propose de partir à la découverte des sigils. Qu'est-ce que sont les sigils exactement? À quoi est-ce qu'ils correspondent? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Quelles sont leurs utilités? Est-ce qu'ils font partie à part entière de la pratique magique? Etc. etc. Je vais tâcher d'y répondre au mieux dans cette vidéo. Les sigils, il faut savoir qu'il en existe une multitude, puisque un sigil, ce n'est pas quelque chose qui va être défini par une personne et puis ensuite démocratisé, comme tout de suite on pourrait penser au symbole du pentacle, la triquetra, la triple lune, etc. Un sigil, effectivement, ressemble à un symbole, mais c'est un symbole avant tout très personnel, puisque c'est le praticien qui va inventer, qui va créer ce sigil à partir de prières, d'intentions et de vœux qu'il aura écrit ou formulé, qui vont ensuite prendre l'apparence d'un symbole. Il existe une multitude de façons de créer les sigils. Vous pouvez le faire avec la numérologie, avec les prénoms, avec des lettres, avec l'astrologie, avec plein d'autres méthodes. Là, moi, je vais vous proposer une des méthodes la plus connue. C'est celle que j'utilise le plus, qui, je trouve, est à la portée de tout le monde, parce que tout le monde ne maîtrise pas la numérologie ou l'astrologie. Parfois, les sigils, ça peut être un petit peu compliqué aussi. Donc, je voulais vous proposer quelque chose qui soit assez accessible, assez simple à comprendre. Donc moi j'utilise tout simplement la méthode de la prière, c'est-à-dire que sur une feuille je vais écrire mon vœu, une prière de façon positive, je vais vous montrer ça dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Je vais donc écrire ma prière d'une façon positive, par exemple, prenons la santé, je ne vais pas dire je veux être guéri de cette maladie, mais plutôt je veux la santé. On n'écrit pas non plus « je souhaite »,« je souhaiterais ». Non, on est plutôt dans le « vœu », dans l'exigence. C'est-à-dire, on écrit toujours « je veux » et non pas « je souhaite » ou « je souhaiterais ». Hein. Le sigil, c'est ça qui va définir son pouvoir. C'est l'intention et la volonté que vous allez mettre dedans. Avant de commencer notre sigil, il est très important de comprendre que faire un sigil, fabriquer un sigil, c'est un rituel à part entière. C'est-à-dire que je vous invite vraiment à vous mettre en condition. Qui dit rituel dit qu'on prend du temps. Donc si vous n'avez pas de temps, ça ne sert à rien. Si vous faites ça entre deux feux rouges, très honnêtement, ne le faites pas. Si vous voulez faire un sigil, c'est parce que vous avez un petit peu de temps devant vous, au moins 30 minutes à 1 heure devant vous, puisqu'il faut quand même se poser dans un certain cadre. Il va falloir réaliser votre cercle, vous mettre en condition. Si vous avez un hôtel, je vous invite à réaliser votre sigil sur votre hôtel. Et puis bien sûr, il y a toute la phase de préparation, comme par exemple la relaxation, la méditation. On va aussi poser son intention, on va visualiser ce que l'on souhaite avoir avec le sigil. Et je vais aussi vous expliquer les différences qu'il peut y avoir entre les sigils, puisqu'il peut y avoir des sigils que l'on va garder, qui vont faire partie de nous, qu'on va conserver comme artefact, comme porte-bonheur. Il y a des sigils qui vont plutôt être éphémères, qu'on va soit brûler, soit enterrer, soit noyer, si par exemple on a besoin d'une action immédiate, mais juste éphémère, qui soit spontanée, qu'on n'aura pas besoin de réitérer. On va composer un sigil pour cette occasion-là. Si par contre on veut, voilà, un sigil qui dure, qui perdure dans le temps, on va s'en faire un. Peut-être soit en dur, je vais vous montrer que vous pouvez le faire sur du bois, sur de la pierre, sur du papier. Bref, vraiment, faites-vous plaisir. La seule limite qu'il y a avec les sigils, c'est votre imagination. Et une fois que vous aurez la méthode en poche, vous allez voir que vous allez concocter des sigils pour absolument tout. Car les sigils, ce sont vraiment des outils très intéressants et très puissants. Parce qu'ils peuvent autant apporter des choses bénéfiques que bannir et maudire. Et oui, effectivement, hein, comme l'expression le dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et lorsque vous gravez dans la pierre, dans le bois, une malédiction, un bannissement, quelqu'un, une personne a bloqué dans ses agissements, eh bien forcément le sigil aura beaucoup plus de pouvoir s'il a été gravé dans quelque chose. Allez, avant de commencer, je propose d'abord qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance. C'est-à-dire, la première chose à effectuer, c'est son cercle. Ne l'oubliez pas, un cercle de protection. Vous pouvez le faire soit avec votre baguette, vous allez tracer votre cercle mentalement. Vous pouvez
pas forcément diriger votre baguette, vous pouvez aussi simplement tenir votre baguette et imaginer qu'une sorte d'énergie et un dôme se créent au-dessus de vous et englobent tout votre hôtel. Vous pouvez aussi le tracer avec du sel, avec une craie. Pourquoi pas aussi, certaines personnes tracent leur cercle avec l'atamé. Je suis pas trop fan de cette méthode, puisque l'atamé, c'est quand même un outil qui tranche. Personnellement, j'utilise l'atamé, au contraire, pour rompre le cercle. Quand j'ai terminé un rituel, quand j'ai terminé une cérémonie, je vais prendre mon atamé pour couper le cercle, pour pouvoir l'annuler et pour pouvoir ouvrir avec l'extérieur. Mais bon, après, libre à vous, si vous ne ressentez pas ce malaise vis-à-vis de la lame tranchante, vous pouvez très bien faire votre cercle avec votre atamé. C'est ma méthode, moi ça me pose un problème. Après, vous pouvez aussi l'imaginer mentalement, mais ça, ça demande quand même plus d'énergie. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, je vous invite vraiment à former votre cercle physiquement. Il faut que vous le voyez visuellement, il faut qu'il existe dans le plan physique. Donc, tracez-le avec une craie, avec du sel, n'importe quoi, avec des bougies, pourquoi pas. Vous mettez plein de petits chauffe-plats autour. Alors, attention qu'il n'y ait rien qui prenne feu autour. Hein. Faites-le dans un endroit qui ne risque rien si vous utilisez des bougies. Vous pouvez le faire pourquoi pas avec des pierres, mais voilà, il est important lorsque vous débutez de vraiment réaliser, de créer votre cercle de façon physique. Puis lorsque vous êtes plus évolué, que vous avez plus d'expérience et plus de pratique, vous pouvez vous défaire de l'aspect physique pour réaliser votre cercle de façon mentale. Vous pouvez également le réaliser avec une formule, hein, par exemple, je dédie cet espace sacré dans ce cercle ici réalisé, que toute magie lancée soit filtrée, que le mal y soit banni sans être altéré les autres formes de magie. Bref, voyez, vous inventez comme ça des petites rimes, une petite prière, vous faites votre petite sauce comme vous le voulez. Ne vous jetez pas sur internet pour chercher des formules, etc. Vous êtes capable de les faire, ces formules, d'accord? Un cercle, c'est vraiment le niveau 1 en magie. C'est les choses les plus simples, ça fait partie des bases. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher dans plein de grimoires, de demander à Pierre, à Paul ou à Jacques. Vous faites votre petite prière, vous n'êtes même pas obligé que ça rime. Il faut juste que vous soyez protégé dans votre cercle, d'accord? Si vous avez un hôtel, parfois, je dis bien parfois, si vous avez un hôtel qui a été consacré, vous pouvez vous passer du cercle. Vous pouvez, je dis bien, attention, on est au conditionnel. C'est-à-dire que votre espace, il est déjà consacré, il est déjà béni, c'est déjà un espace sacré et l'aura qu'il diffuse fait une sorte de dôme. Et dès que vous allez vous approcher de votre hôtel, vous allez vous baigner dans cette aura, dans ce dôme. Vous serez donc protégé par l'énergie que votre hôtel va dégager, d'accord ? Mais bon, on n'est jamais trop prudent, surtout en magie, donc ne prenez pas de risques, hein, c'est comme quand on a des relations sexuelles. Il vaut mieux prendre toutes les précautions au cas où, hein. On n'est jamais à l'abri que une des protections craque en plein milieu de l'acte, d'accord? Donc on va d'abord s'allumer nos bougies. Alors pareil, là, moi, je vous montre mon rituel à moi, enfin, mes habitudes à moi. Hein, vous êtes bien sûr libre de faire comme vous voulez. Mais en principe, j'allume toujours mes bougies. Je commence par une bougie blanche. Ensuite, pour les couleurs de bougies, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas spécialement d'importance. Vous allumez les couleurs que vous voulez. Après, ça dépend aussi de l'intention que vous voulez mettre. Si votre sigil est dirigé pour des énergies d'amour, vous pouvez, pourquoi pas, allumer des bougies rouges qui vont symboliser l'amour, la passion, le sang. Si vous voulez faire des sigils pour plutôt une magie, pour bannir quelqu'un, pour bloquer les agissements de quelqu'un, etc., on va plutôt utiliser des couleurs noires. Pourquoi le noir? C'est pas du tout diabolique, c'est que le noir, en fait, bloque les énergies, ça absorbe les énergies. Si vous voulez un sigil plus pour la prospérité financière, pour le professionnel, on va plutôt s'orienter vers des bougies de couleur soit verte, jaune, orange ou marron, hein, tout ce qui est lié à la chance, à l'abondance, à la richesse, etc. Si on veut travailler tout ce qui est sentiments, les romances, les amitiés, on va se diriger vers des bougies roses. Si on veut travailler plutôt l'aspect spirituel, on va s'orienter vers des bougies violette, bleu marine, hein. Et puis voilà, on a fait le tour. Si aussi vous voulez travailler des magies plutôt solaires ou lunaires, on va évidemment travailler avec des bougies or ou argent. En plus, profitez-en, là c'est la période de Noël et ils sortent quasiment dans tous les magasins. Vous avez des bougies couleur or et argent. C'est le moment d'en profiter justement. Il n'y a que pour les périodes des fêtes où ils sortent ces bougies spéciales. Moi, je fais toujours un stock pour l'année.
Parce que c'est toujours rare d'en trouver de ces bougies-là. Donc pareil, faites un stock, ça vous coûte pas spécialement bien cher, hein, et puis voilà. Une fois qu'on a allumé nos bougies, on va passer à l'encens. Alors comme je vous l'ai dit, les sigils, c'est un travail spirituel, c'est un rituel. Donc on va utiliser de l'encens de travail. Je catalogue les encens. Vous avez les encens bâtons qui pour moi sont des encens d'ambiance. Ça va très bien pour méditer, pour mettre un parfum d'ambiance, pour nettoyer sa maison, pour faire sentir bon, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à travailler avec les bâtons. Je préfère les résines, les grains, les plantes séchées qui sont des vrais encens pour travailler. Donc tout ce qui va être voyage astral par exemple, les méditations un peu poussées, la sophrologie, mais surtout les travaux magiques. Donc pour mon rituel, moi je vais partir sur un encens un petit peu général, c'est-à-dire que je prends du pontifical qui est spécialisé pour tout ce qui est cérémonie, renforcer les prières et les actions à distance. Pareil au niveau des encens, il en existe moultes et moultes et moultes. Maintenant, je vais prendre mon petit encensoir. Je vais allumer mon petit charbon. Lorsqu'il crépite, je vais pouvoir le placer. Attention, je rappelle, évitez de respirer la fumée du charbon, d'accord ? Elle est plutôt toxique, donc faites attention. Et également, je vais vous remontrer la petite technique dont je vous avais déjà parlé. Technique que j'avais trouvée sur la chaîne de Ange de Gaïa, qui si jamais passe par là, je fais un bisou. Il s'agit de prendre de la cendre. Lorsque vous faites brûler votre charbon, conservez toujours de la cendre et vous allez en disposer sur votre charbon. Pourquoi faire ça? Tout simplement les amis, parce que votre charbon monte entre 600 et 800 degrés, c'est extrêmement chaud. Donc par conséquent, si vous mettez votre résine directement sur le charbon, il risque fortement d'être cramé et vous allez avoir les mauvaises odeurs de l'encens. Le fait de mettre un peu de cendre dessus va permettre de faire fondre la résine sans la brûler, puisqu'il n'y a pas un contact direct avec le charbon. Et ensuite, vous allez vraiment avoir que les bienfaits et la bonne odeur de l'encens. Hop, et ensuite on se dépêche vite à le mettre sur un support en pierre par exemple. Ensuite, vous êtes libre de pouvoir utiliser de l'eau. Moi, j'aime bien mettre les quatre éléments. Voilà, je travaille beaucoup avec les éléments et j'aime bien avoir les quatre éléments sur mon autel. Donc ça, c'est de l'eau que j'ai récupérée dans ma petite rivière. J'en mets dans ma coupe. Pour purifier mon espace, je vais utiliser aussi de la sauge que je vais faire brûler dans mon chaudron. Voilà, vous voyez, avec mes feuilles de sauge, je fais passer au-dessus de mon autel. Pour harmoniser les énergies aussi, j'utilise une petite plume pour faire circuler tout simplement. Voilà, et là je suis dans de bonnes conditions pour pouvoir commencer. Je vous invite à prendre une petite feuille de papier et un feutre de couleur, la couleur que vous voulez. Encore une fois, c'est selon l'intention que vous voulez.
Si vous croyez en la magie des couleurs, alors utilisez des couleurs pour venir ajouter de la magie à votre magie. Si par exemple vous faites un sigil qui concerne l'amour, vous allez utiliser un feutre rouge ou rose. Si vous voulez une magie orientée vers tout ce qui est abondance, argent, prospérité, orientez-vous vers une couleur verte, orange, jaune ou marron. Bref, etc. Vous avez compris le principe. Et maintenant, je vais vous approcher de plus près pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on réalise un sigil. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser votre sigil. On va prendre l'exemple de la santé. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, il faut toujours prononcer une phrase positive. Il faut que votre intention soit positive. Si par exemple vous êtes malade, ne dites pas je souhaite être guéri, je souhaite être débarrassé de cette maladie. Non, je veux la santé. Simple, efficace, soyez dans l'exigence, soyez dans l'ordre, soyez dans le vœu. Vous voulez être débarrassé de ceci, de cela? Oui, mais en fait, votre intention première, c'est d'être en bonne santé, tout simplement. Donc, allez directement droit au but. Donc, vous allez écrire tout simplement, je veux la santé sur votre feuille. J-E-V-E-U-X-L-E. Et ensuite, vous allez enlever toutes les lettres qui sont en double pour ne conserver qu'une seule de chaque. Donc par exemple, le J, le E, on l'a deux fois dans vœux et dans santé, donc on les supprime. On garde le V, on garde le U, on garde le X, on garde le L. Le A, on l'a deux fois dans la et la santé, donc on le garde qu'une seule fois, on supprime l'autre. On garde le S, le N et le T. Ce qui nous donne J, E, V, U, X, L, A, S, N, T. Et ensuite, avec ces lettres, vous allez styliser cette phrase et vous allez en faire un symbole, quelque chose qui va représenter votre intention et votre vœu. Donc pourquoi pas, on peut faire un gros J. Le E, on peut le glisser comme ceci. Le V, on peut le mettre par exemple ici. Le X, on peut le mettre là. Le U, eh bien, ça va être la queue du J. Le L, on peut le glisser ici. Le A, pourquoi pas le mettre là. Le S, ici. Le N, là. Et le T, pourquoi pas ici. Et voici donc votre sigil qui est terminé. Voyez, puisque le but en fait, c'est de reprendre votre intention avec les lettres restantes et d'en faire un symbole. Et ce symbole-là, bien sûr, vous êtes libre de pouvoir le styliser comme vous voulez, et comme je l'ai dit, la seule limite que vous avez, c'est votre imagination. Donc faites-vous vraiment plaisir, hein. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez faire des courbes, faire des dessins, vous pouvez vraiment le coder, amusez-vous à le faire vraiment comme vous en avez envie. Pareil pour les couleurs, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Si vous donnez de la foi et de la conviction en plus dans les couleurs, eh bien utilisez-les. Comme là par exemple pour la santé, le vert c'est très bien, le vert ça tout de suite ça évoque la nature, la vitalité, l'arbre, la force, etc., etc. Le côté bien-être, l'air pur, l'oxygène, etc. Donc, utilisez du vert. Si par exemple vous faites un sigil pour l'amour, utilisez du rose, du rouge. Si vous faites un sigil pour la prospérité financière, utilisez de l'orange ou du jaune qui correspondent à la chance, à l'abondance. Si vous voulez quelque chose en lien avec le professionnel, utilisez du marron qui correspond à la terre, donc la terre, l'ancrage, les biens matériels, etc. D'accord? Vraiment, faites-vous plaisir. Comme je l'ai dit, la seule limite que vous avez, c'est votre imagination. Et laissez-vous porter par votre intention, laissez-vous porter par ce qui vibre en vous au moment où vous faites votre sigil. D'accord? Une fois que vous avez fait votre sigil, maintenant il va falloir l'activer. Alors, pour l'activer, il va falloir déjà qu'il soit tout seul. Donc, et pour l'activer, il existe plusieurs méthodes. Alors, il peut y avoir des méthodes dites de sorcière, où on va par exemple mettre du sel dessus pour l'activer, le connecter en lien avec la terre. On va pouvoir aussi utiliser la baguette, c'est-à-dire qu'on va mettre notre baguette au niveau du sigil pour le connecter. On peut aussi le connecter avec l'atamé. Donc on va mettre l'atamé comme ceci pour le connecter. On peut, comme moi, voyez, je l'ai dessiné sur une tranche de bois.
ce qui permet de pouvoir aussi le connecter avec la nature. Bref, vraiment, là aussi, laissez-vous porter par ce qui vous fait vibrer, hein. C'est pas parce que moi je fais comme ça qu'il faut que vous fassiez pareil. Laissez-vous libre, d'accord? Sentez-vous libre de le faire comme vous en avez envie et comment vous le ressentez, ok? Vous pouvez également placer les mains au-dessus et en répétant votre intention, à savoir je veux la santé, je veux la santé, je veux la santé, je veux la santé. Et vous pouvez même ressentir une sorte de chaleur, de douce chaleur qui va se mettre en dessous de vos mains. Ça prouve que le sigil est en train de s'activer. Donc là, vous réclamez je veux la santé, je veux la santé, je veux la santé, je veux la santé autant de fois que nécessaire et autant de fois que vous le ressentez. Il existe aussi d'autres méthodes pour activer votre sigil. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre votre sigil et directement le brûler et permettre au feu et à l'air de pouvoir l'activer. Le feu va activer son pouvoir et ensuite il va se diffuser dans l'air. Votre intention, votre formule, votre vœu va se diffuser à travers l'air. Et naturellement, je vous invite après votre rituel à ouvrir la fenêtre, hein, parce que sinon c'est un petit peu bête, ça veut dire que votre intention va rester bloquée dans votre chambre ou dans l'espace que vous êtes en train de faire, hein, ça sera un petit peu bête. Donc ouvrez la fenêtre pour que justement les énergies circulent, pour que l'air circule et pour que votre vœu puisse disparaître à l'extérieur, s'envoyer à l'extérieur, hein. C'est comme le principe d'une lettre, si la lettre vous ne l'envoyez jamais à la poste, le destinataire il risque pas de la recevoir, hein. Pensez à la poste, ça peut vous aider. Et donc pour activer votre sigil avec le feu, tout simplement, donc vous allez brûler votre sigil et vous allez répéter votre intention du sigil, à savoir je veux la santé, 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 je veux la santé. Et vous répétez jusqu'à ce que le feu ait complètement consumé votre sigil. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, mettre du sel par-dessus, ce qui permet de pouvoir l'activer. Vous pouvez également utiliser l'énergie de l'eau. D'une part, ça permettra d'éteindre le feu, mais comme vous le savez, l'eau est un élément mutable. C'est un élément qui est entre deux, qui relie le monde physique et le monde spirituel. C'est un élément qui permet de faire le pont, qui est une transition. Donc, si vous voulez que votre vœu soit encore plus rapide, qu'il soit envoyé avec la 5G, hein, avec la 5G spirituelle, vous mettez par exemple de l'eau avec et mélangez en plus avec le sel. Ça va permettre de pouvoir purifier votre intention. Et lorsque votre vœu va être envoyé, eh bien le sel va servir de protecteur pour éviter qu'il soit pollué par d'autres intentions extérieures. Vous pouvez aussi enterrer votre sigil, hein. Vous allez en pleine forêt, dans la nature, et vous allez l'enterrer, vous l'activez avec les énergies de la terre et vous enterrez votre sigil. Pareil, ça va permettre aussi de l'activer. Et ensuite, il y a les sigils dits permanents. Alors, qu'est-ce que c'est que les sigils permanents? Comme leur nom l'indique, ce sont des sigils permanent, c'est-à-dire que vous les voulez tout le temps, soit avec vous, soit à mettre sur votre autel, pourquoi pas à offrir. Alors attention, attention avec la magie qui s'offre, hein, je suis pas toujours pour. Si vos intentions sont bonnes et que vous avez de bonnes relations avec la personne à qui vous allez offrir le sigil, ok, pourquoi pas. Si par exemple c'est pour protéger votre maman, votre fils, votre fille, votre sœur, etc. Vraiment quelqu'un que vous aimez et qui ne le prendra pas mal, mais au contraire qui appréciera. Oui, vous pouvez le faire, mais évitez, hein, évitez la magie, c'est pas des choses qui s'offrent, hein, qu'on soit d'accord. C'est comme les pierres en principe, ça ne s'offre pas. Il y a des choses comme ça dans la magie qui ne s'offrent pas, des choses qu'on doit faire par soi-même, qu'on doit garder pour soi-même, hein. Moi, je vous aurais averti. Mais voilà, parfois les sigils, vous pouvez les offrir si vraiment il y a une bonne intention derrière. Donc ces sigils permanents, vous allez les faire sur des petites plaquettes de bois, sur des disques de pierre aussi, peu importe, vraiment, hein, là encore, faites-vous plaisir. Et donc la méthode, c'est exactement la même. Vous allez écrire votre phrase d'intention. Vous prenez une petite feuille pour faire au brouillon votre sigil, hein, par exemple. Tiens, hop, j'en avais un prêt. Donc, vous faites votre sigil, vous le reportez sur votre petit disque de pierre, de bois, peu importe. Vous allez le redessiner exactement pareil. Vous allez ensuite le graver avec la méthode que vous voulez. Ça peut être par exemple avec un pyrograveur sur du bois, ça va être sympa, hein. Par exemple, là, pour les cadeaux de Yule, ça peut être des trucs super intéressants à faire, des petits ateliers qui sont sympas et en plus qui vont permettre de protéger la maison. Pourquoi pas faire des petites boules à mettre sur le sapin avec comme ceci des petites
disques de bois et vous allez mettre des sigils qui correspondent à Yule pour protéger la maison, protéger la famille, etc., etc. Hein, puisque Yule, on est dans les énergies de bienveillance, on est dans les énergies de don, d'offrir. Donc pourquoi pas que le sapin soit vraiment rempli de sigils et de choses comme ça. Ça peut être super sympa à réaliser. Les petits aussi peuvent le faire parce que malgré que ce soit de la magie, c'est une magie, j'ai envie de dire, qui est gentillette. Hein, sauf si bien sûr on utilise des sigils pour bannir, pour bloquer, pour maudire, etc. Là, c'est pas la même chose, d'accord? Mais vous êtes des grands garçons et des grandes filles, vous saurez faire tout seul, ça, je me fais pas de soucis. Donc voilà, vous pouvez très bien utiliser donc un pyrograveur, vous pouvez très bien utiliser aussi, pourquoi pas, un feutre, un marqueur, n'importe quoi. Vraiment, faites-vous plaisir, comme je vous dis. La magie des sigils, c'est vraiment quelque chose qui est sympa à faire, qui est simple en plus, et qui peut être très, très efficace, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les sigils peuvent aussi venir accompagner vos demandes. Si par exemple vous passez un entretien d'embauche, vous pouvez très bien faire un sigil pour demander à ce que l'entretien d'embauche se passe bien. Donc vous n'allez pas dire je veux que l'entretien d'embauche se passe bien. Non, ce qu'on veut c'est l'emploi qui permet, hein. C'est l'emploi qui a derrière, l'emploi qui est visé. Donc vous allez marquer je veux cet emploi. Si vous allez à cet entretien d'embauche et que vous voulez vraiment ce travail, vous allez marquer je veux ce travail. Et vous allez faire votre sigil, hop, vous activez votre sigil, vous le pliez, vous le prenez avec vous, vous le mettez dans votre sac et ça vous permettra eh bien, d'activer, de faire le rituel pendant l'entretien d'embauche et vous, vous n'aurez rien à faire puisque le sigil travaille à votre place. Ça peut venir aussi compléter des rituels, ça peut venir compléter plein de choses. Vraiment, je vous invite à utiliser les sigils, c'est vraiment quelque chose de sympa et ça permet aussi d'appréhender la magie d'une façon assez simple parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi faire en rituel, etc., surtout quand on débute. Les sigils, voilà, c'est une façon ultra simple de commencer la magie. Il n'y a pas besoin de rien, hein. Il vous faut juste un bout de papier, un feutre, très concrètement, il vous faut rien. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Une bougie, si vous voulez l'activer avec le feu, hein, ou l'activer avec vos mains. Du sel, vous en avez dans la cuisine. Vous prenez du sel, la baleine, ça va très bien aussi. Vous n'avez besoin de rien. Et c'est déjà un bon départ, hein, un bon début pour commencer la magie. Les sigils peuvent aussi être utilisés comme vos symboles personnels de protection. D'accord, hein. Moi, par exemple, j'ai toujours aimé la triquetra, donc ça c'est mon symbole. Mais vous pouvez très bien, par exemple, sur votre grimoire, votre livre des ombres, vous pouvez très bien faire votre sigil qui sera sur la couverture et ce sigil sera très fort puisque vous aurez mis une intention particulière. Vous pouvez aussi en graver un sur votre porte, sur un mur, dans votre foyer, etc. pour protéger votre maison. Bref, vraiment, je vous invite à utiliser les sigils mais autant que vous voulez. Hein, enfin, pas non plus, n'en abusez pas non plus parce que ça n'aura plus d'effet. Il faut qu'un sigil, il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait vraiment une intention derrière ça, d'accord? Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo sur la magie des sigils. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous embrasse tous et on se retrouve très vite pour de nouveaux rituels. En attendant, prenez bien soin de vous.